S'il te plaît autant, je pourrais convaincre la Shinra de mes... Tu voudrais pas partir le concert de piano. La meilleure façon de visiter Costa, c'est pour nos gyropodes. Allez, et on les bombarde. Petit doigt, petit cochon. De nos gyropodes vous évitera les ampoules aux pieds. Tous les hôtels sont pleins, il paraît. Même pas les chambres. Tifa, tu veux passer devant? Ok, suis-moi. Par ici, ou peut-être par là. Comme vous vous en doutez peut-être, cette belle plage est le lieu touristique le plus animé. Une commande de 2 assiettes de spaghettis. Ne colle pas, il fait déjà. Si vous cherchez le meilleur bazar du Costa del Sol, c'est par ici. Impossible de trouver un seul pampa bonheur de... Venez découvrir nos accessoires. Il est produit à partir de grains de coco uniquement. Soyez les bienvenus à la course sauvage, le paradis de tous les animaux. Par ici, ou peut-être par là. Est-ce que tous ceux qui participent à Costa de la Mort ont pu trouver leur partenaire? Jenny et son sale caractère. Montrez-vous!
déjà assez chaud. N'est-il pas Léo, ici les pompins, on pourrait vous cacher. Jouez un de nos gyropodes vous évitera les emplois. Le concert de piano du Royal Coast commencera dans quelques instants. J'espère vraiment. Les personnes munies d'un billet sont priées de se présenter dans le hall. Quelqu'un connaît le nom de la pianiste qui joue aujourd'hui? Tiens, Tifa. Es-tu venue assister au concert? Hélas, tu risques d'être déçue, je crains qu'il ne soit annulé. Le pianiste qui devait jouer aujourd'hui a disparu dans la nature en ne laissant qu'une lettre derrière lui. Il y explique qu'il s'est enfui avec son amant. Enfui? Carrément! J'offre mon soutien à tous les amoureux épris de liberté, même si cela nous laisse avec un récital de piano sans pianiste. Le personnel de l'hôtel nous a alors imploré de l'aider à trouver un remplaçant. Je sais que nous avons la réputation d'avoir de très nombreuses relations, mais il y a des limites quand même. Oh. Mais dis-moi, ses mains... ses doigts... Ils sont d'une grande fermeté acquise par la pratique des arts martiaux, et pourtant si délicats. Toi, tu as appris à jouer du piano, n'est-ce pas? Eh bien, oui. J'ai pris des leçons quand j'étais petite, mais j'ai plus eu l'occasion de pratiquer depuis... Tu crois que nous avons le temps de faire la fine bouche? Cesse un peu de ronchonner et laisse faire une professionnelle. Tu caresses les blanches et les noires. Les blanches et les noires. Les blanches et les noires. Les blanches et les noires.
Grâce à vous, le concert s'est tenu comme prévu. En remerciement, veuillez accepter ce modeste présent qui inclut la carte offerte à tous les spectateurs. Quant à la rémunération prévue pour la prestation... C'est avec moi qu'il faudra voir ça, mon bon monsieur. Voyons si on ajoute les frais de déplacement, d'impresario, et qu'est-ce qu'on a encore? À propos de ce pianiste qui s'est enfui... J'ai ouï dire que lui et son amant étaient partis quelque part où ils espéraient ne plus jamais être séparés. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement aidé cet hôtel, mais aussi deux amoureux qui n'aspiraient qu'à un peu de liberté. La prochaine fois que tu monteras sur une scène, j'espère que ce sera la mienne. Au plaisir de vous revoir, mes adorables cupidons. La meilleure façon de visiter Costa, c'est sur nos gyroproches. Costa! Ici, vous pouvez échanger vos cartes contre de superbes tenues de plage. Bonne journée.
cocktail était vraiment superbe. Je pourrais... J'espère vraiment que je vais pas me retrouver avec un partenaire louche. Après vous, ma chère Iris. Vous êtes bien aimable. La meilleure façon de visiter Costa, c'est sur nos gyroportes. Un souci ? Tifa ? Iris ? Qu'est-ce que vous faites ici ? J'allais te le demander. C'est quoi, cette valise ? Elle appartient à un cadre de la Shinra. Je suis chargé de la porter jusqu'à l'hôtel. Mais pourquoi ? Johnny ? Tu détestais la Shinra, pourtant. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ordre du maire. Je lui dois tellement... C'est pour lui que je le fais. En tout cas, on me traitera plus de rat d'égout comme avant. Alors ça, c'est ce que j'appelle un look estival. Vous souhaitez aller sur la plage ? À nous la plage ! Et avec élégance. Wow! Alors, t'en dis quoi? Hein? Tifa, on dirait que tu possèdes la souplesse d'un dauphin. Et Iris, tu as l'air flexible, comme une méduse. C'est ta façon de nous complimenter? Désolé, mais je n'y connais rien du tout en beauté humaine, moi. De vraie beauté. Wow, ça ressemble d'être encore plus voyant toutes les deux. Voilà. Cloud, tout va bien? Oui. C'est juste que... il fait très chaud. Faites gaffe. Allez pas prendre un coup de soleil. Ça fait mal. Ça vaut encore plus pour toi, Cloud. Mais faut profiter. Wouhou, pas vrai? Oh. Allez, écartez-vous. Oh, Joe. Ah, vous ici, en voilà une agréable surprise. Ah, je ne suis pas venu pour Iris, rassurez-vous. Mais bien sûr, si tu acceptes de nous prêter assistance, ce sera avec grand plaisir. Tu peux toujours rêver. Peu importe. Vous allez bientôt pouvoir assister à un incroyable spectacle. Tu pourras peut-être y participer, toi aussi. Oh, j'ai hâte de voir ça. Quelle bonne idée. Oh, mais attendez, vous allez démarrer. Je veux savoir. Mesdemoiselles, que diriez-vous de devenir mes assistantes? Vous seriez beaucoup mieux loties en travaillant pour la compagnie Shinra, je vous l'assure. Ah, c'est tentant. Il se trouve que j'ai justement besoin de femmes pour m'aider dans ma prochaine expérience. Imaginez ça, l'une de vous pourrait donner naissance au prochain héros de notre ère. Ce serait fou, professeur. Après tout, un héros d'une grande beauté impressionne ses ennemis d'autant plus facilement, n'est-ce pas? Car en fin de compte, ce n'est ni sa grandeur ni sa puissance qui font d'un homme un héros, mais plutôt le regard que ses pairs posent sur lui. Tu as répondu à l'appel, toi aussi, n'est-ce pas? De quoi est-ce que tu parles? J'en déduis que tu n'en es pas conscient.
Comme tu peux le voir, tous tes frères ont également fait le voyage pour se rassembler ici. Oh, alignez-les. D'accord. Allez. Alors. Bon. Allez. Voilà. Hop. Parfait. Bien. Hop là. Juste là. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elles font, celles-là? Bien. Il est l'heure de commencer le grand spectacle. Personnellement, toute cette histoire de vie à préparer ne m'intéresse pas du tout.
brave. Je garde ton sang-froid. De moi. Ouh! Et toi là-bas? Hein? Viens par ici. Moi?
Tu veux les sauver, pas vrai? Dans ce cas, hop, hein? Tu vas péter. C'est le moment d'en finir. Je suis désolé, mais c'est dans le précieux. Il n'y avait personne derrière le comptoir.
Alors je me suis servi. Un Costa del Sol. J'en préparais parfois au 7e ciel. On se disait qu'on rêverait de venir ici. L'époque où je travaillais au bar me paraît si loin. J'ai l'impression que ça fait des années. T'aimerais y retourner ? Au bar ? Bien sûr, un de ces jours. Mais pour l'instant, je sais très bien qu'on est obligé d'aller de l'avant. Même s'il m'arrive parfois d'avoir du vague à l'âme. Dis, je peux t'en faire un pour toi aussi si tu veux. Non, ça va. Mon prochain verre d'alcool, je le boirai quand on aura reconstruit le 7e ciel. C'est ce qu'on a décidé avec Barrett. Quand est-ce que vous avez eu l'occasion de décider ça ? C'est un secret. C'est bizarre comme secret. Mais c'est toi qui vois. Faut bien l'admettre. Yuffie nous a tirés d'un sacré pétrin. Et moi, j'ai rien pu faire pour sauver les manteaux noirs. C'est pas de ta faute. C'est Ojo qui les a tués. Y a pas moyen qu'on laisse ce sale type s'en sortir comme ça. Il va payer pour ses crimes, je le promets. À cause de Ojo, c'est un vrai champ de bataille. Non. C'est aussi notre faute. Chaque fois que j'ai affaire à lui, je perds totalement mon sang-froid. Si on s'était pas battu, ça aurait été encore pire. On n'a pas eu le choix. Peut-être, ouais. Mieux vaut se dire ça, en tout cas. Midgar est là-bas, au-delà de l'horizon. Pas vrai ? Ma véritable mère, elle s'appelait Ifalna. À ma naissance, Ojo l'a fait capturer. Pour mener ses expériences. Parce que c'était une Citra. C'est pour cette raison que je le hais. Profondément. Il m'arrive même de me dire que je dois venger ma mère. Je me mets à penser à des choses horribles, à tel point que j'ai peur de moi-même. C'est jamais que des pensées. Tu peux en avoir autant que tu veux. Faut pas t'inquiéter. Ouais, si tu le dis. Te torture pas. T'y penseras quand ce sera nécessaire. Tu n'auras qu'à écouter ton cœur. Et quelle que soit ta décision, je serai là. Ah, t'es mon héros. Bon, on y va ? Je n'aurai qu'à écouter mon cœur. Le moment venu. Oui, c'est plus simple. Quand on y sera, je compte sur toi. Ouais. Pas toi. Je disais ça à l'Iris du futur. Je pense que ce sera vraiment une fille formidable. Tu verras quand on y sera.
quoi. Bon, prêt à partir? Les vacances sont finies. Dommage. Ouais, des vacances un peu mouvementées. Bon, retournons à l'hôtel. Le gîte balnéaire d'où on voit pas la mer. Il en faut plus pour m'abattre. En tout cas, tu nous as bien aidés. Au fait, faut que je vous dise, les filles de la plage qui ont vu ce que j'ai fait m'ont posé des questions à propos de l'hôtel. Elles m'ont expliqué que le maire était un escroc. J'ai honte, je me suis fait arnaquer. Je m'en étais pas rendu compte. Et ta dette, ça doit être une grosse somme. Tu vas pouvoir la rembourser ? T'inquiète pas. Les filles sont allées voir Capono pour qu'il arrête de me persécuter. Elles l'ont menacé de révéler ses méfaits au monde entier. Elles lui ont tellement mis la pression qu'il a cédé direct. Et résultat, ma dette, pouf, zéro. Oh, c'est bien fait. Je suis devenu le héros de la ville. Et vous allez voir, je vais faire de mon humble gîte un hôtel 7 étoiles dans les règles de l'art. Ouais, on a foi en toi. Pour l'instant, les étoiles, on les voit surtout à travers les trous dans le toit. Oh, c'est vrai, mais l'accueil est chaleureux. Ah, non, j'ai mal. Oui, c'est vrai, merci. Eh ben, ça va, mon vieux. Ouais, allez. Je sens qu'il n'est pas au bout de ses peines. Merci pour tout. Y a pas de quoi. C'est moi qui vous remercie. Alors dis-moi, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va suivre les manteaux noirs. Ah bah, je les ai vus partir ce matin en direction du Mont Corel. Y en a certains qui étaient blessés, mais impossible de les arrêter. Le Mont Corel. Alors c'est là qu'on va. Nous espérons que votre séjour vous a plu, messieurs dames. Bonne route. Soyez prudents. Gentiment, je pourrais accepter de vous rejoindre. Oh, mon plan a
échoué. Je dois me replier. C'est quoi son problème? En fait, non! Attendez une minute! Dis, t'es vraiment absolument sûr que tu veux pas de moi dans ta bande, alors? Bon, tu peux venir. Voilà ce que je voulais entendre. Alors, puisque vous insistez, j'accepte de vous rejoindre. Bienvenue, Youfi. T'as vraiment pas intérêt à nous faire un sale coup. Sinon, je te fous dans le canon de Junon et je te renvoie direct au Wutai, c'est clair? Oula! C'est bon, j'ai compris. Ouh! Youfi Kisaragi, à votre service. Alors, je vais me mettre ici. Materia, rien que pour vous. Nous avons un peu. Prenez un repas tranquille. Le soleil est là. Nous avons tout ce que vous cherchez. Je sais. Demandez l'édition spéciale. Pour faire une belle balade, louez des chocobos. Diriez-vous de louer un chocobo? Notre vedette Kima est exceptionnellement disponible, profitez-en! Bienvenue! Si vous souhaitez louer un chocobo, vous devez d'abord vous procurer un pass de location. Merci beaucoup. Votre passe de location a bien été enregistrée. Vous pouvez désormais louer librement des chocobos chez nous. Bienvenue. Si vous souhaitez louer un chocobo, vous êtes au bon endroit. Louer un chocobo.
faire une belle balade, louer des chocobos. Que diriez-vous de louer un chocobo? Mettre en plein dans le...